Culture. Avec Linda Tamdali, bonjour. Comment va Soraya? Ça va très bien, merci. Bah, écoutez, on est en super forme. Ouais. Et puis hier, on a vécu donc, au rythme de World Algeria. C'était à l'Opéra d'Alger. La salle était comble, archi-comble. Donc un public connaisseur, passionné par cette grande dame de l'Algérie. Donc on est revenu sur un film documentaire monté par l'Office national de la culture et de l'information qui revient un peu sur l'enfance de World, qui est revenu sur un peu l'enfance de Wardah Jezeria, sur son parcours, sur sa vie. Et puis ensuite, on est passé donc à toutes ces grandes dames et ces messieurs aussi, qui étaient aussi présents, qui ont interprété des morceaux, vraiment des morceaux phares, importants du parcours de Wardah Jezeria. Bien sûr, Fiyom où il est là avec Amel Wahbi, et puis il y a eu Hassiba Hamrouch, Ibn Darrihan et tant d'autres. Et puis il y a eu aussi Rehab Jezeria, qui est une jeune chanteuse qui s'est aussi démarquée par sa voix, par son interprétation, par vraiment le talent qu'elle a. C'était un très bon moment parce que on s'est mis aussi dans cette ambiance de Wardah, de sa présence en Algérie, des chansons aussi liées à la révolution algérienne, tout ce qu'a bercé en fait notre vie. Hein. Wardah nous a accompagnés, nous accompagne encore parce qu'elle reste franchement immortelle et vivante grâce à sa musique et à sa voix et à sa présence, ouais. Et aussi à son élégance également, parce que ça reste aussi un modèle en matière de elle-même, et puis tout ce qu'elle avait du goût, oui, dans sa façon de porter les tenues. Féminine, très féminine, très, très féminine, très coquette, comme l'est l'Algérienne, oui, n'est-ce pas? Absolument. Et on reste... Il suffit juste de nous regarder. Et on reste dans les rendez-vous culturels, Soraya. Oui. Et cette fois-ci, donc ce soir aussi, un grand rendez-vous nous attend à l'Opéra d'Alger. Il s'agit du concours aussi, du prix Abdelkrim Deli. Oui. Il sera question aussi d'hommage rendu à notre ami Nordine Saoudi Lahmou. L'ouverture de ce soir se fera notamment avec Lila Boursali et Hamidou. Oui. Et puis, il y aura trois jours de rencontres avec M. Bokora, qui recevra aussi les lauréats, ceux qui vont concourir pour le prix Abdelkrim Deli. Ce sera au niveau du conservatoire de Kouba, qui a le même nom que le défunt Abdelkrim Deli. Et la clôture se fera avec Maryam Ben Halel et Samir Toumi. Donc, ce sera à quelle heure ce soir? Ce sera ce soir à 19h. Super. Un rendez-vous à ne pas rater. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.